Cette vidéo vous est présentée par la boutique UniversLudo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Summer, on regarde ensemble le jeu Just One, un jeu publié en 2018 par Repos Productions. Ça nous vient des auteurs Ludovic Roudy et Bruno Sauter. C'est un jeu qui joue de 3 à 7 joueurs et les parties vont durer environ une vingtaine de minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points de façon collective. On est donc dans un jeu coopératif, un jeu d'ambiance, de devinette, d'association de mots où un joueur va essayer de deviner un mot alors que les autres vont lui donner des indices, mais les joueurs n'ont pas le droit de se consulter pour choisir leur indice, et si jamais deux joueurs ont le même indice, que l'indice est identique, il va être annulé et on ne pourra pas l'utiliser pour essayer de deviner. Donc un jeu très simple, un beau petit jeu d'ambiance, donc Just One. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va installer une partie pour 6 joueurs, donc chacun des joueurs va recevoir un chevalet ainsi qu'un crayon effaçable à sa couleur avec une efface aussi au bout. Ensuite, on va prendre les cartes et on va compter 13 cartes qu'on va utiliser pour la partie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on va placer ces 13 cartes-là au centre de la table pour se faire une pioche. Et le reste des cartes seront replacées dans la boîte de jeu. On ne les utilisera pas pendant la partie. On va déterminer un premier joueur de façon aléatoire. On va dire que ce sera notre joueur bleu qui sera le premier joueur. Il sera donc le joueur actif pour la première ronde de jeu. Une partie de Just One se joue en plusieurs rondes de jeu. À chaque ronde de jeu, on a un joueur actif qui va pouvoir piocher une carte de la pioche et va la placer sur son chevalet sans regarder les mots qui sont inscrits sur la carte. Et les autres joueurs vont utiliser leur chevalet pour écrire des indices pour essayer de faire deviner le mot choisi par le joueur actif. Le but du jeu va être de réussir à deviner le plus de cartes possible dans notre pioche de 13 cartes pour marquer le plus de points de victoire. Notre joueur bleu va donc piocher la première carte sans regarder les mots qui sont inscrits sur la carte et va la placer sur son chevalet de façon à ce que les 5 mots soient visibles pour les autres joueurs. On a donc 5 mots qui sont numérotés sur la carte, donc le mot numéro 1 sombrero, le mot numéro 2 trèfle, le mot numéro 3 bouton, le mot numéro 4 fromage et le mot numéro 5 Chewbacca. Notre joueur actif va donc se choisir un chiffre de 1 à 5, il pourrait prendre par exemple 5, ce qui veut dire que les autres joueurs devront lui faire deviner le mot Chewbacca pour cette ronde. Ensuite, chacun des autres joueurs, de façon individuelle et sans parler avec les autres joueurs, sans se consulter, chacun des autres joueurs va écrire un indice sur son chevalet avec son crayon effaçable, un indice qui va nous servir évidemment à faire deviner le mot Chewbacca. On a des petites restrictions pour les indices qu'on peut écrire sur nos chevalets. Premièrement, notre indice peut être composé d'un seul mot. On ne peut pas utiliser des mots de même famille. Donc, si je voulais faire deviner le mot fromage, je ne pourrais pas écrire comme indice fromagerie, comme c'est un mot de la même famille. On ne peut pas utiliser des mots qui ont le même son, donc qui sonnent phonétiquement pareil. Par exemple, si j'avais à faire deviner le mot chêne, on va dire la sorte d'arbre, je pourrais pas écrire comme indice C-H-A-I-N-E, une chaîne en métal, pour pouvoir le faire deviner comme ces deux mots qui ont la même prononciation. On ne peut pas aussi traduire le mot dans une autre langue, donc si je veux faire deviner fromage, je ne pourrais pas écrire cheese, qui serait fromage en anglais. Et on ne peut pas écrire de mots inventés ou de mots qui n'existent pas. Alors les joueurs vont tous prendre leur crayon et de façon simultanée vont aller écrire leur indice sur leur chevalet. Lorsque tous les joueurs ont écrit leurs indices et qu'ils ne les ont toujours pas montrés aux autres joueurs, on va demander aux joueurs actifs de fermer les yeux. Donc le joueur bleu va fermer les yeux et les joueurs vont révéler aux autres joueurs leurs indices. Donc on va les laisser face visible à la caméra pour que vous puissiez les voir. Et on va regarder s'il y a des indices, premièrement, qui sont invalides, donc qui ne respectent pas les règles qu'on a énumérées précédemment. Et ensuite, on va regarder s'il y a des indices qui sont identiques. Donc, on a 5 indices. On a Faucon, on a Wookie, Copilote, Poilu
et on a Wookie une deuxième fois. Comme on a deux indices identiques, on va coucher ces deux indices-là. Donc le joueur actif ne pourra pas avoir accès à ces deux indices pour deviner le mot. Lorsque les indices invalides ou identiques ont été couchés, on va demander au joueur actif d'ouvrir ses yeux et à ce moment-là, on va lui révéler les indices que nous avons. Donc ici, on aurait trois indices pour deviner le mot, ces deux-là étant disqualifiés. Donc on aurait faucon, copilote et poilu. Donc le joueur actif va réfléchir et essayer de trouver le lien entre ces mots-là pour ensuite donner sa réponse. On a plusieurs scénarios possibles pour donner la réponse. Premièrement, si le joueur n'a aucune idée de la réponse, peut simplement passer son tour. S'il passe son tour, on va prendre la carte et on va la remettre dans la boîte de jeu. Donc, on va avoir perdu cette carte-là. On ne marquera pas de points. Deuxième option, le joueur peut essayer de donner une réponse. Donc, il pourrait donner, je sais pas, un vaisseau. Donc, vaisseau n'était pas la bonne réponse. À ce moment-là, on va perdre cette carte-là. On va la remettre dans la boîte. Mais on va aussi perdre la carte suivante qu'on va aussi remettre dans la boîte. Donc, on va avoir un maximum de points qui va être moins élevé à ce moment-là. Finalement, si le joueur réussit à donner la bonne réponse, donc troisième possibilité, le joueur dit Chewbacca, parce qu'évidemment, Chewbacca est poilu. Chewbacca est le copilote du Faucon Millenium, donc il a réussi à deviner le sens de ces indices-là et à donner la réponse Chewbacca. À ce moment-là, l'équipe va gagner la carte et va la placer face visible à côté de sa pioche, donc cette carte-là devient un point de victoire qu'on a marqué. Ensuite, les joueurs, on va tout simplement effacer les réponses que nous avions placées sur nos chevalets et on va donner le joueur actif au prochain joueur. Donc, le prochain joueur va devenir le joueur actif. Donc, le joueur vert va donner le joueur actif pour la prochaine ronde. Et à ce moment-là, ben, il va piocher une carte et on va continuer ici. Il va choisir une des cinq réponses. Les autres joueurs vont aller créer leurs indices. On va éliminer les indices. Et on va tenter de deviner la réponse par la suite. On va continuer la partie jusqu'à temps qu'on ait épuisé toute la pioche. Et à la fin de la partie, on va regarder combien on a de points de victoire, donc combien de cartes on a réussi à deviner. Et par la suite, on va aller regarder dans le livret d'instructions pour pouvoir déterminer notre score avec l'échelle qui est ici. Donc, si je réussis, exemple, 11 bonnes réponses, donc génial, c'est un score qui se fête. Et là, on va regarder selon le nombre de réponses qu'on a réussi à obtenir. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Just One. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Just One? Si on regarde les côtés positifs, premièrement, c'est un jeu qui me disait absolument rien. J'avais un peu été attiré par la boîte ou le visuel du jeu. Et quand on m'a l'expliqué dans une convention, je suis comme fait, ah, le principe a l'air très intéressant. J'ai eu la chance de l'essayer avec quand même beaucoup de monde. Je l'ai acheté quand il est sorti en magasin, je l'ai réessayé, j'ai joué d'autres parties. Donc, c'est un très très bon jeu d'ambiance. Donc, c'est vraiment un jeu très simple, donc facile à expliquer. Un jeu qui roule très bien, les parties c'est rapide, 15-20 minutes on va avoir fait une partie, c'est rare qu'on va en jouer seulement une, on va avoir le goût d'en rejouer une deuxième par la suite. Le fait aussi que les cartes aient 5 mots, donc il y a quand même une bonne pile de cartes à l'intérieur du jeu, donc ça donne quand même une bonne rejouabilité au jeu. On peut aussi bien l'adapter à la clientèle avec laquelle on joue. Si on joue exemple avec des plus jeunes, on joue en famille avec des enfants, ben on va aller faire le tri dans les mots qui vont sortir. On va essayer de prendre des mots ben, qu'on sait que la personne qui est en train d'essayer de deviner connaît ou qui va avoir le plus de chances de deviner. Fait que ça peut encourager les jeunes à ce moment-là si on laisse les autres choisir le mot qu'on va essayer de faire deviner. Fait que ça, c'est très intéressant aussi. Pour les côtés négatifs, le jeu n'a pas un super visuel. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas ça qui m'a attiré. Même dans le jeu, on a bon les plateaux, tu sais, c'est juste blanc, il n'y a pas de visuel ou quoi que ce soit, les crayons, tout ça. C'est quand même du bon matériel, mais c'est pas un matériel qui est visuellement très attrayant. Et le nombre de joueurs, donc le jeu se joue de 3 à 7. Moi, je vous suggère de jouer seulement à partir de 5 et plus, donc 5 à 7. À 3, ben, on a une variante où chacun des joueurs qui écrit des indices va avoir deux petits chevalets, va écrire deux indices différents. Fait que ça fait un peu plus d'indices, évidemment, parce qu'à 2, ben, si on écrivait le même indice, l'autre n'aura rien, n'aura aucune chance de le deviner, fait que c'est un peu stupide. À 4, ben, ça fait quand même pas beaucoup d'indices autour de la table. S'il y en a deux qui s'annulent, il reste seulement un indice. Fait que je trouve que ça manque
manque un petit peu de quelque chose. Puis justement, à partir de 5, entre 5 à 7, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est beaucoup à écrire des indices. Fait que là, on essaie d'être original dans ce qu'on va écrire comme indice, mais tu sais, finalement, on est comme 2 ou 3 à écrire une réponse qu'on pensait originale. Fait que ça, c'est quand même drôle. Donc vraiment, une meilleure expérience, selon moi, entre 5 et 7 joueurs. Just One reste quand même un excellent jeu de party, jeu d'ambiance qui m'a vraiment surpris. Un jeu que je vais lui donner une belle note de A-, donc un jeu qui est très accessible à n'importe qui, on peut montrer ça, c'est simple, c'est rapide, puis c'est un jeu qu'on va avoir du plaisir garanti. C'est sûr qu'on a des beaux moments dans une partie de Just One. Des fois, on pense qu'on écrit un bon indice, puis là, c'est comme, ben là, on est comme 3 à l'avoir écrit, fait que là, on fait comme, mais non, t'as pas écrit ça toi non plus, fait que c'est vraiment des belles émotions qu'on va avoir dans une partie, donc une belle expérience de jeu avec ce petit jeu de party-là. Ça en fait donc, selon moi, un excellent jeu de fin de soirée, donc pour finir une soirée de jeu, ou un excellent jeu passerelle entre deux gros jeux pour détendre un peu l'atmosphère. Donc Just One, allez chercher ça dans le temps des fêtes, c'est sûr que ça va être un hit avec tout le monde, avec votre famille, avec vos amis, puis même vos amis gamers qui vont pouvoir apprécier ce genre de petit jeu-là de devinettes vraiment très intéressant. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.